J'attends de cette rencontre, cette première grande rencontre nationale au Havre, qu'elle aide à libérer la parole populaire. Il y a une espèce d'étouffoir de la part du gouvernement qui fait le blocage sur la loi El Khomri, mais surtout qui ne veut pas discuter les propositions alternatives dont est porteur le mouvement social. Il y a plein d'idées parmi les syndicalistes, parmi ceux qui luttent pour une autre loi de sécurisation de l'emploi, de réduction du temps de travail, de lutte contre les gâchis de la finance. Eh bien, nous allons commencer à écrire ce que devrait être réellement une politique de gauche. Pas seulement dire nous ne voulons pas celle du gouvernement qui est la loi du MEDEF, mais ce que nous voulons. Et il faut que cette réunion, avant d'autres, annonce ce mouvement populaire. Maintenant, nous, nous prenons en charge l'écriture d'une politique de gauche et c'est là-dessus que nous allons mobiliser et travailler pour les échéances politiques à venir. Alors moi, aujourd'hui, je viens vraiment pour me renseigner par rapport au parti, justement, parce que je suis en train de me forger ma propre opinion et je participais à toutes les manifestations depuis le début du mouvement. Et en tant que lycéenne, justement, j'ai envie de pouvoir agir et en apprendre plus, justement. J'attends tout simplement que le gouvernement réagisse à l'intervention de Pierre Laurent, puisque depuis que nous manifestons, que ce soit sur le Havre ou dans la région, où tout se passe bien, sans casseur, et que nous nous manifestons pour obtenir effectivement cette destruction du droit de travail, c'est ce que j'attends essentiellement. Alors moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est de savoir si on va pouvoir se sortir de tout ce... de tout ce marasme-là que les jeunes subissent. Moi, je suis à la retraite depuis 25 ans. Et si je suis à la réunion là aujourd'hui, c'est pour mes petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants. Je me pose la question de savoir s'ils vont avoir un travail dans les années à venir. On attend des vraies solutions de gauche au problème de l'emploi, du chômage, tout simplement. Je suis là par curiosité essentiellement pour savoir ce qui peut être des partis. Parce qu'on entend tellement de choses qu'au final on ne sait plus qui est quoi et qui appartient à quoi et ce qu'on peut en attendre. D'une certaine manière, c'est ça la question qu'elle a posée. Mais cette bagarre-là, elle est posée là, on va aller au bout de tout. Dès aujourd'hui, le mettre en valeur des candidats, ils sont laissés pour le faire. Et pourtant, la CGT Sidel, que certains décrivaient comme dogmatique et sectaire, a voulu la constitution de cette intersyndicale. Parce que les salariés la voulaient, et parce qu'on est plus forts tous ensemble. Ce sont les salariés qui connaissent leur entreprise. Ce sont eux les véritables experts, à l'inverse des ordres de cabinets d'audit, grassement payés que l'on a pu voir défiler. C'est en partant de cette évidence que la CGT Sidel, avec l'intersyndicale, a impulsé un travail de fond, en lien constant avec les salariés. Ce fut un travail énorme qui a abouti à la construction de propositions d'avenir solides présentées à la direction du groupe qui a été contrainte de les examiner. Et si elle a décidé au départ de les ignorer, ce n'est évidemment pas en rapport avec leur bien fondé, mais c'est bien parce qu'elles allaient à l'encontre du projet de casse de l'activité et de l'emploi chez Sidel. Il aura fallu les mois de négociation et les jours de grève pour faire reculer la direction. Et nous avons réussi. On entend partout dire que les dockers ne sont pas concernés, comme d'autres professions d'ailleurs. Mais moi, je vois aucun gouvernement voter des lois qui ne concernent personne. Je vois aucun. Évidemment que cette loi nous concerne tous, que ce soit sur les heures supplémentaires, que ce soit sur cette inversion de la hiérarchie, sur beaucoup de choses. Et elle nous concerne, nous, en tant que dockers. Pourquoi la CGT Cheminot a écrit une base revendicative, acceptée par l'ensemble des organisations syndicales de la branche? Une base revendicative basée sur les 32 heures, afin de créer de l'emploi, de garantir de bonnes conditions de travail pour tous, permettant une sécurité pour les usagers. Les orientations prises par le gouvernement et le patronat du ferroviaire sont en complet décalage avec notre objectif de sécurité. Il faut absolument que ce projet soit retiré. Et c'est notre proposition, la proposition de la CGT. Il faut que ce projet soit mis en suspens pour que de réelles négociations s'entament pour un vrai code du travail du 21e siècle.
comme on a fait pour la loi sur le travail, apporter des explications aux gens, faire grandir la conscience, je crois que c'est ce qui justifie ce genre de réunion. C'est-à-dire qu'on a besoin de franchir une étape dans la compréhension de cette complexité de ce qu'on veut nous présenter comme complexe. Et on a besoin de le faire de manière plus claire, plus populaire, pas populiste, mais populaire, pour que chacun comprenne. Et moi, j'ai senti cet intérêt-là. Tout l'intérêt de cette réunion et d'autres, c'est de faire cheminer en fait tout le monde ensemble pour que chacun s'empare de ces questions politiques et les porte aussi. Donc moi, je vois dans cette réunion un encouragement à rendre populaires des questions qui peuvent paraître un peu hors de portée des gens, mais en fait, qui peuvent se mêler très facilement si on fait l'effort. Franchir aussi une étape où à un moment donné, chacun, dans d'autres temps, chacun possédait un morceau de vérité. En tout cas, chacun présentait les choses comme ça. Et là, ce soir, on a mesuré que chacun avait un avis, avait des exigences, mais qu'en même temps, tous avaient envie qu'ensemble, on fasse progresser les choses. On l'a vu par rapport aux questions des élections présidentielles et législatives. Cette notion de « on est différent, etc. », mais on a envie... En fait, on a envie de gagner. C'est-à-dire que c'était pas écrit il y a 6 mois, l'idée qu'on pourrait gagner. Oui, envie de gagner. Et quelqu'un l'a dit très bien dans la salle. C'était d'ailleurs quelqu'un qui travaille dans ta ville, si j'ai bien compris. Mais a dit l'importance qu'il y avait à impliquer tout le monde dans la construction sociale ou dans la construction politique. Et c'est un peu ça, ce qu'il faudrait qu'on arrive, ce qu'on voudrait développer en fait, c'est que les questions politiques difficiles de l'année prochaine, eh bien, les gens s'y attaquent de la même manière qu'ils ont été capables de s'attaquer à la bataille sur la loi El Khomri. Je pense que rien n'est impossible.